L'Ukraine, 33e membre de l'OTAN. Pas encore une réalité, mais un vœu répété par Volodymyr Zelensky devant une foule parée de drapeaux jaunes et bleus en plein centre-ville de Vilnius, mardi. Je suis venu ici avec la foi dans la solution, avec foi dans nos partenaires, avec foi en une OTAN forte. L'OTAN assurera la sécurité de l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, le président ukrainien adoptait un ton pourtant bien plus critique, une façon d'accentuer la pression sur les membres de l'Alliance. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté ni de donner à l'Ukraine une invitation à l'OTAN, ni d'en faire un membre de l'Alliance. Le poids des dirigeants allemands et surtout américains, soucieux d'éviter toute implication directe de l'Alliance face à la Russie, a fait pencher les alliés vers une approche prudente. La perspective de l'adhésion de Kiev est réaffirmée, sans calendrier précis. Nous allons lancer une invitation à l'Ukraine à rejoindre l'OTAN lorsque les alliés seront d'accord et lorsque les conditions seront remplies. Il s'agit d'une proposition solide pour l'Ukraine et d'une voie claire vers son adhésion à l'OTAN. L'OTAN multiplie les gestes à l'égard de Kiev. Une procédure d'adhésion simplifiée et la promesse d'un plan d'aide de 500 millions d'euros, notamment destiné à améliorer l'interopérabilité entre armées de l'Alliance et forces ukrainiennes. Les membres du G7 doivent eux s'engager aujourd'hui sur des garanties de sécurité, en clair le renforcement de leur soutien militaire au profit de l'Ukraine. Le même jour, un premier conseil OTAN-Ukraine, lors duquel Kiev fixera l'ordre du jour, doit se réunir. En marge de ce sommet, Volodymyr Zelensky rencontrera plusieurs dirigeants, dont son homologue américain, Joe Biden.